Les Ajouts le Scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve sur le 15e épisode de Desperado 3 et on reprend là où on est arrivé l'autre jour et on va essayer de se dépatouiller sans armes dans cette mission de situation difficile. Alors, il faut rejoindre le bateau, ça c'est l'objectif. Sauf que faut que je me débarrasse de lui pour me débarrasser de lui. Donc, si on le déjoue avec une pièce. Je vais prendre Kate pour lui taper le cul. Pas comme ça. J'ai mis trop de temps à envoyer Kate. Ah ouais, non, oui, non, oui, non, oui. Je pense avoir là une solution. Et avec lui, alors, si on fait ça comme ça. Ah! Il a fallu qu'il bouge plus vite. Ou faut que je relance le parfum. Alors, on va passer un mauvais moment ici. Ou alors... Bon, ça, ça fonctionne. Juste qu'il faut que tu reviennes ici, vite, vite. Voilà. Bon, faut laisser sessionner maintenant. Allez, dépêche-toi. Avant que l'autre se réveille. Wow, c'était juste. Après ça, on va tirer le canon. Bon. Allez, faut-tu que j'assomme lui d'abord avant le canon? Parce que lui, ouais, ça va l'interpeller. Non, ça va, il voyait rien, heureusement. Ok, on enregistre. Au moins, on avance. Ok. Je pensais que ça aurait explosé le coffre quand même, mais ça a l'air que non. Ah, il y a quelqu'un ici, un civil. Bon, ok, là c'est nettoyé. Alors, comment aller chercher ce vêtement? Il y a eux ici. On peut-tu faire tomber quelque chose sur eux? On peut monter sur les toits en tout cas. Est-ce que c'est ça la priorité? Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où Kate elle aura le déguisement, on va pouvoir déjouer les gardes plus facilement. Sauf qu'il y a le long manteau qui fait chier, puis lui qui a une bonne couverture. Mm-hmm.
pas s'il y aura le temps de courir. Non. Allez, 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 allez. Un par un. Et non, ça marche pas. Ça pourrait marcher, mais ouais, il va falloir déjouer la vue. Donc maintenant, je peux plus facilement ramener. Voilà. Et Kate, je pourrais lui lancer le parfum. Que John se déplace plus vite. Ok, non, ça marche pas. Là, là, ok. Ok, bon, lui, il voit lui. Ok, lui, il y a personne qui le voit, ouais, si, lui. Quand il s'en va, j'ai le temps de l'assommer. Allez, saucissonne-le. Voilà, ça s'est dégagé. So, you think the cannon they stole here was necessary for their rituals? Il y en a toujours un qui en a vu sur l'autre. Qui fait que Kate, je peux l'amener ici. Alors, je peux l'aveugler. Eux, ils voient quoi? Ils voient rien du tout. Ouais, est-ce que ça serait mieux avec Hector? Ah, il ne me suit pas assez loin. Bon, on va sauvegarder le. Oui, t'es en investigation. On n'est pas là. Bon, il va reprendre sa routine. Donc l'idée, c'est d'avoir lui et d'avoir lui. Allez, on essaye. Ouais. Ça marche pas. Parce qu'il faudrait avoir lui en même temps. Hey, there's a poker tournament tomorrow. Fancy yourself a contender already. I
beat you last night. But you chose to forget. Donc il faudrait assommer les trois en même temps. Et lui, à quel moment? Ah, bouge, Kate! Ah, non! Ah! Ah, il va voir les traces debout. Remarque, je pourrais avoir le long manteau comme ça. Fait plein de traces debout. Ah, faut qu'il les voit l'autre. Ah. Zut. Allez, tourne-toi. Ok. Ça, c'est bon. Tu peux revenir ici. Et là, on devrait pouvoir se faire les trois. Donc, ça sur lui. Ça sur lui. Et Kate, tu vas faire ça sur lui. Ok, j'ai la même distance à peu près pour chaque. Allez, on lance le projet. Ah, juste le civil. Pas penser au civil. Allez, Hector, viens là. Hey now. Le civil, comment faire? Parce que je peux pas balancer un parfum jusque là-bas. Je peux faire le tour avec Hector. Et je vais pouvoir le siffler l'autre. Ah. Ok, bon, maintenant on met ça ici. Ouais, non. Faut que je me cache ailleurs. Well, sure, but why'd they climb up to the club? Si je mets le piège juste ici et que je siffle là, ah, ça a pas un show, il bougera pas, merde. Merde.
Well, sure, but why'd they climb up to the club? Something. Un poncho aussi, ça. Je vais passer par un autre chemin. Mauvaise idée. Bon. Allez, on se concentre. Well, sure, but why'd they climb up to the club? What do you mean by that? Bon, lui. On va enregistrer ici, comme ça on gagnera un peu de temps. So, you think the cannon they stole here was necessary for their rituals? Bon, lui. Hey, I heard that. You're under arrest. Vraiment que je me cache derrière la vache. Mais là, on sauvegarde. On met le piège. On met sa vision. On zoome un peu. On siffle. Hey, I heard that. Hey, take... Ah! Je pense que je peux rester là en fait. Ce qui va arriver, il va se prendre le piège. Allez, on teste. Bon. Ça a marché, j'ai bougé au bon moment et sans faire exprès en plus. Bon. Il en reste plus que deux. Là. Le problème, c'était le civil. Là. Normalement, si je mets mon piège ici, je devrais pouvoir siffler juste l'autre. Ah, mais il vient pas, lui, c'est un poncho. Et l'autre aussi, c'est un poncho. Sauf que là, vu que lui, il est plus là, je peux m'approcher ici. Je vais pouvoir balancer un parfum à la gueule du civil. Ah. Le point de vue ici, il est vu. Puis en plus, il y a les poulets. Donc je pense que j'ai pas le choix d'assommer les deux. Faudrait que j'éloigne les deux autres.
Enfin, je sais pas comment faire. Hein. Bon. On va planifier les actions. Kate. I don't know, Francie, but I'm not looking to find out. Alors, saucissonne. Alors, il voit pas. Nothing. Oh well. Ok, on sauvegarde. Et vas-y, tape-le dessus. Petite voix de castrat. Maudite poule. Bon. On a réussi à prendre le déguisement. Voilà. Bon. On se regarde à nouveau. Donc le but, c'est de retrouver McCoy, qui doit être. Un gars qui dort. Est-ce qu'il est vraiment. Il est juste là. Où est passé McCoy, bon sang? Ouais, la question est comment on peut faire pour le retrouver, McCoy. Il est nulle part sur la carte. La seule place où on peut rentrer, c'est là. Et encore, je pense que c'est juste une cachette. Bon, John. Allez, les poules, allez-vous-en! Sommet les deux là, on va pouvoir passer par les toits. Well, sure, but why'd they climb up to the club rooftop? Allez, cache-les. Le civil aussi. Voilà, tout le monde est caché. Alors, je peux sauter ici. Oh! Pas pantoute là que je voulais aller. Ah! Ok, c'est ici qu'il faut sauter. Il me permet de me débarrasser de lui. Lui que personne ne voit. Non, il y a lui qui le voit. Donc on va aller le séduire. Salut. Bon là, il y en a deux qui le voient. Non, on reste accroupi. I saw the bastard wearing a long black coat.
Alors, on peut faire tomber ça. Ils vont tuer 3. Bon. Ça, il faut détourner l'attention. Donc, il faut se débarrasser de lui. Et de lui. Bon, Hector, tu devrais être capable. Bon, heureusement que les autres sont aveugles. Ok. Bon, il y a lui. On peut lui parler. Non, on peut rien dire. C'est juste une planque. Ok. Donc là, on peut rien faire avec lui. Ok, bon. Alors... Ah, il y a lui qui fait chier. Donc, on va jouer avec le râteau. Lui, dès qu'il s'en va, on lui court après. Ah non, il y a quelqu'un qui le voit. Allez, viens! Allez, tombe, tombe, tombe. Voilà. Ok, 2 de moins, même 3 avec celui-là. Et lui, il fait 4. Alors. Alors, hop, maintenant, on va pouvoir jouer le rôle de Kate. Ok, bon. Maintenant, il y a qui voit lui? John, tu vas pouvoir monter. Bon, lui, il faut qu'il s'en aille à nouveau. Il n'y a personne qui va le voir, ouais c'est ça. Donc, il reste lui, lui, bon lui il voit strictement rien. Lui je sais pas s'il y a quelqu'un qui le voit. Non. Ouais, quand il arrive et qu'il dépose ses affaires, je peux lui exploser la gueule.
I'm all ears, honey. Mais pas en passant par là! Bon, d'une certaine manière, ça a marché. Ok. Alors, hop, tu saucissonnes. Allez, saucissonne. Bon, là, on a comme la banque, il y a un long manteau qui est vu par plusieurs personnes. Et avec Kate, je pourrais rien faire. Ah, McCoy, il est là. Je viens de le voir. C'est pour ça que c'est aussi bien gardé. Par contre... Alors, il va falloir séduire. Allez, Hector, viens ici. John, tu te mets là. Alors. Ah oui, c'est vrai. Je veux rien savoir. Mais je peux quand même les jaser, je crois. Donc si je détourne l'attention de lui... Voilà, l'autre... Je peux m'en occuper. Ah, c'est pas le bon que je distrais. Ah, ça distrait les deux. Je suis sur qui avec John, saucisson, saucisson. Non, 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 sors de là, sors de là. Ah oui. Allez, va les foutre là-bas. Là, on peut jeter les cornes. Ok, bon. On se regarde là et on s'arrête pour cet épisode ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis à d'autres prochaines aventures. Ciao, bye bye.